voir comment ça je Ouais, toi, Diablesse, enfin Flo-Flo, elle dit que. Parce que Diablesse est notre modo sur les lives, tu sais. Elle est super gentille. Ouais. Et elle a fait une forte migraine samedi. Ouais. Et elle dit que ça, apparemment, les gens disent que ça vient du virus. Bah, elle a pas le virus. Non, comme il dit qu'il traîne dans l'air. Tout le monde a se plaint de mal de crâne. T'as pas mal au crâne. Bonsoir à toutes. Toi, je te l'ai dit. Bah, Sandrine, t'as le virus, non. Tu t'approches pas d'un mec. Ça n'a rien à voir. Il comprend rien, lui. Hein. 1 mètre de distance entre toi et moi. Vous avez le bonjour de Sandrine qui est là depuis je sais pas quelle heure. Elle est venue nous faire chier. Sympa. Sympa. Bah, qu'est-ce que tu dis à ta dépense? Dis-le, oh, dis-le. Oh là 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 là, vous voulez pas parce que là je peux plus, moi. Comment t'allais, View? Ça va? En ce lundi merveilleux. Oh, lundi merveilleux. Bon, bah demain, je travaille pas, les copains. Oh là là, mon Dieu, je vais pas le supporter toute la journée. Donc, moi, je pensais soit un vendredi ou un jeudi, mais là, un mardi, j'aime pas trop le mardi, c'est chiant. Parce qu'après, faut que j'attende mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et c'est long. Chouette. Papa. Je vais tout seul à la maison. Papa. Qu'est-ce que tu disais? Pas grand-chose? Non. petite cocosse? Mais bon, c'est pas vraiment le but du bordel. Ah bon? De toute façon, c'est comme d'habitude, hein, c'est que des poissons. C'est des courses de poissons, j'ai pris. Poisson soda, poisson coca, poisson lait. Et des œufs. Voilà, des œufs. C'est Guillaume, ça vole pas ton truc là. Ah ouais, ça vole pas, ouais. Ah oui, faut pas que je ferme, parce que du coup, tu prends sur celle-là ou pas? Je vais prendre sur les deux. Le mec pas chiant. Oui, mais ça, il m'énerve le truc là, hein, parce que je vais le marave. Par contre, il n'y a pas là. Pourquoi il marque pas la recette, cette broutille? T'es obligé de suivre au fur et à mesure le bordel. Ah, c'est pour 8 à 10 personnes, ok. Je ne mets pas du 30 carrés, là. Je sais même plus, on me parle de partout, là, j'arrive plus à... 200 grammes... Je me trompe dans les 200 grammes de sucre, 200 grammes de beurre... Qu'est-ce que tu as pour envoyer un message? Je suis envoyé sur envoyer. Sur message normal, c'est autrement, c'est sous la flèche. Je vais refaire le gâteau à la halananash. Ça sent pas autrement. À la halananash, comme j'avais pris du... Comme on avait fait des crêpes et puis j'avais acheté des petits morceaux d'ananas. Mais pas rentrant, je les ai pris en petites... vous savez, coupés en petits dés. Et comme on était en train de regarder les gâteaux là, machinement, et c'était à me dire, ouais, mon guide adoré, chéri, que j'aime tout mon cœur, tu peux refaire le gâteau à l'ananas. Moi, j'ai dit ça. Regardez la tête de la vieille. C'est beaucoup trop grand, tout ça, ce que t'as dit là. Je dis, oh, oui, bébé, fais-moi le gâteau. Voilà, j'ai pas dit, chéri, avec un gros kiki de tout le temps, machin. Mais j'ai pas dit un gros kiki, t'es pas dégueu dans ta tête, toi. Ah, moi, j'ai compris que j'avais dit. Oh, oh non, non, non. Là... Ils seront un gros kiki. Ah là, dis kiki. Oh, mon Dieu. Oh, bon, ça va, fais pas celui qui. Oh là 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 là. Il faut vraiment que tu arrêtes la tourine. Oh. Bon. Je vais aller là-bas. Oh, ça l'arrange. Mon micro. Genre, je l'ai volé. Non, mais il s'est défait. Vous m'entendez? Coralie et Elisabeth, elles vont encore dire de vous abonner. Merci Guigui pour avoir crié dans le micro. Je sais pas si vous vous rappelez de la petite recette. Moi, je m'en rappelle plus. Genre, ils vont te répondre. Bah oui. Ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, ta ta ti, ta 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 ta. C'est ça, tu prends ce kiff, toi? Tu prends... Non, tu prends un réel, toi aussi. Ouais, moi, je prends un réel. Toi, tu prends ce kiff, non? Et on est en train de discussion, là, tu t'as pas, tu regardes pas. Ah, non, tu regardes pas. On voyage. Je le veux bien.
Parine. Et en même temps, fais le con. T'as baissé un peu la lumière? Bah oui, pourquoi? Ça fait quoi dans le noir? Bah ça fait dans le noir. Est-ce qu'on... Ah non, on voit pas comme... Si, mais... on voit, mais voilà, c'est tout. Ça éclaire bien, quand même. Oui, parce que là, je l'ai mis en bidule chouette, mais si... Si jamais... Attends, non. Il y a le mode vintage aussi dessus. Oui. Non. Ah, pas voilà. Trop. Là, on voit. Ouais, mais pour faire le gâteau, ça va faire... Bah oui. Par contre, ça fait mal aux yeux, comme ça. Non, mais... Quand tu rallumes la lumière, ça fait mal aux yeux. Voilà, faut baisser, faut juste régler... Mais faut qu'on voie ma gueule aussi, hein. Mais non. Ma tronche. Faut qu'on voie ma tronche. Alors, nous avons de la levure, un sachet de levure. Nous avons de la vanille, un sachet de vanille. J'ai peut-être envie en mettre deux, mais non. Après, je vais plus en avoir. Si j'ai envie de faire un autre gâteau. Les œufs, ils sont là. Les ananas, ils sont là. La farine avec du sucre. Est-ce que vous vous rappelez des ingrédients? Est-ce que vous vous rappelez des mesures? Dites-moi tout. Parce que moi, je sais plus. Le sucre est où? Il est là. Le sucre. Il te faut du beurre. Je sens rien. C'est moi qui ai. C'est le bordel dans les fils. Oh là là. Mais. Bye bye. C'était. Donc il y en a qui disent. Elle est où la recette? Parce que moi je m'en rappelle plus, moi, les petits. Mon petit cerveau, moi. Oui, mais elle a mis où le bordel? Oh, bien ici, femme. Que je te m'arrobe. Mais non, c'est pas ça. Bébé, elle est où la recette? Allez là. 150 g de farine, 110 g de sucre, 3 œufs. Il y a 3 œufs, mais tous les autres vidéos que j'ai vues, ils mettent 4 œufs. Non, t'en as beaucoup qui c'est 3 aussi. Bah non, pour l'instant, j'ai vu que 4 œufs partout. Reprends celle que tu veux, la recette. Un sachet de levure, de chimique, c'est fait. 90 g de beurre. Une boîte d'ananas, on s'en fout. Le caramel, bah, je vais le faire après. Non, faut le faire tout de suite. Sur le caramel, ça je sais. Donc on va faire déjà 150 g de farine. Il est en dessous, je crois. Oui, je vois, il est en dessous. Ah, non, j'ai mal. T'as dû t'en servir, il n'est pas. Ah, on a dit tout ça. Elle est tout sale. Je la regarde depuis tout à l'heure, je me dis que je la ferme, j'ai la foi. 150 g de farine, les copains, il est là. Allons-y pour la farine. Bon, c'était pas prévu le gâteau ce soir. Hein. Mon couvert qui est où? C'était pas du tout prévu, hein. C'est à cause de la vieille, hein. Voilà, la farine, on va pas tarder qu'on en rachète, il reste plus grand chose. Bon, tu as trouvé ton couvercle, là? Il n'est pas le couvercle de la cocotte, là. Mais regarde, il n'est pas en dessous de les gamelles, là. De toute façon, faut que je fasse... Dommage que le tri... Dommage que le tri de petits trucs. Je verrai s'il y était. Il est toujours au-dessus. Pareil, on a un appareil. Un appareil pour faire les croque-monsieur et les gaufres. On s'en sert jamais. Par contre, quand il y a les gaufres... Décide, ma gueule, il n'y est pas, là.
Je vais, mais Guillaume, il va me remettre le truc comme il faut là. Du bon appareil à gauche, je vais m'en servir. Pas sardi. Gaufre, c'est bon ça. T'aimes pas trop. Bah oui, tu l'as rangé là. Il y en a même qui font des gaufres sardines. Ah, ah. Pour mettre du jambon, du verre dedans. J'ai jamais goûté ça. Ah, j'ai mal à ma jambe. Ça fait des petites gaufres, elles sont pas grosses. Ça doit faire comme pour les crêpes. Et comment ça me saoule ton truc là. C'est la pâte à crêpes, la base de la gaufre. Et les croque-monsieur, c'est des croque-monsieur. Tu vois un peu le cordon, comment ça s'appelle le sandwich chez McDo là, qui a juste du jambon dedans. Oui. Le croque-McDo. Les croque-monsieur, ça fait un peu ça. C'est les croque-McDo, non fin, comme ça, quand tu les manges, c'est tout fin. J'aime bien de temps en temps. Le truc, elle n'est pas trop fin, c'est ce qui se faisait. Je faisais la pâte à crêpes. 150 grammes. Je vais rajouter un tout petit shoyu. Voilà. 150 grammes de farine et nous allons le mettre dans un. Il veut pas tenir. Je sais pas quoi. Pourquoi il reste quoi en farine? Bah il reste pas grand chose, ça termine. Hein. À la force de faire des gâteaux. Ah oui, on était en course, ça n'a pas longtemps. On en a pas une d'avance. Je vais mettre ça dedans. Sur moi, ça va servir. Ah bah non, c'est qu'on a eu d'avance, on a dû la mettre déjà. Avec. Voilà, 150 grammes de farine. Eh, il me saoule ton téléphone là. Grammes et il y en a qui mettent 120 donc. Traite-le bien mon téléphone là. Je vais mettre, c'est toi femme. Tu mets tes gros doigts là. Je vais mettre, tiens, range, pêche-toi. 110 mais je vais mettre 120. Je vais pas faire comme tout le monde. Et où 110? C'était où ça? Sur le côté, à côté du four à micro-ondes. Et que ça saute. Expliquer aujourd'hui, j'ai un peu... 100, 150, 200. Et que ça saute. Mais bon, il n'y a pas 110, tu comment veux-tu que je sois 110? Il n'y a pas 110. Et maintenant, je vais mettre 150, et c'est tout. Bah, 110, tu mets au milieu entre les deux. Non, mais je vais mettre 150, ça aussi. Bébé, on a une balance ici. Je sais pas peser. J'ai pas été à l'école. Je suis orphelin! Tiens. Mais non, mais c'est pas bon, moi. Je vais mesurer ça là-dedans, dans quoi, moi, après? Qui m'a raconté? Vous pouvez me dire, les abonnés, ce qu'il a dit, parce que je sais pas, il y a. Et puis, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a mon téléphone à côté. Oui, et alors? Mets-moi du sucre en poudre sur mon téléphone et je te massacre ta vie. Et un petit peu plus. Donc tu m'as dit que tu savais pour 110, tu mets tout dessus et puis la tête, si ça fait 110. Je te jure que quand tu as une faim, mon pauvre, tu vas souffrir. Oh, le mec, il enlève, il en rajoute. Je l'enlève, je te jure que mal de crâne, tu vas te demander exactement ton ramal. Sandrine, tu me donnes un petit casserole? Non, je ne donne rien du tout. S'il te plaît, Sandrine adorée, que j'aime tout mon cœur. Ah bah tiens, regarde les gants, où ils sont là. Regardez, minou. Oui, mais moi, j'en avais racheté entre temps. Bah, là, il y en a un déjà. Après, je peux ouvrir les autres. Marchi, Sandrine. Non, donne-moi l'autre plutôt. Non, j'en étais sûr. T'es pas casse-couille quand même. T'es pas lèche-cul surtout. Oh là là là. Oh là là. Sandrine. Mon Dieu. Sandrine, aujourd'hui, elle a... Parce que je te dis, t'étais belle tout à l'heure, c'est pour ça. Tout à l'heure, on lui a pas dit qu'elle était belle. Elle m'a fait une catastrophe pour aller dans le C'est combien le chiffre de ce choix, toi, ça y est. Eh, me saoule ton téléphone, non? Eh, voilà, on est reparti avec mon téléphone. Je vais garder la trace sur mes baskets, comme ça je penserai à toi. 100 grammes de sucre. Mais il va déjà faire le. Non, faut que je le mette tout à l'heure. Celui-là, lui, là, je sais pas où le mettre, lui, le mec. L'huile, elle est là-bas. Mais je m'en fous de l'huile. Bah, tu me dis l'huile. Et est-ce que j'ai une tête à m'appeler l'huile? J'ai bien entendu l'huile. Mais t'as mal entendu! J'ai pas dit l'huile! Tu cherches quoi là?
suis con parce qu'il y a, on a plein de petits trucs comme ça. Quoi? Touché le tactile, ça a changé la recette. Eh, t'as fait quoi la vieille? En arrière. Non. Mais non. Rappuie sur la recette. Rappuie sur la recette. Déjà, c'est pas la recette. La flèche arrière. Où ça? Oh putain. Là en haut? Non. Je sais pas, je connais pas ton téléphone, moi. Voilà. Toi, si tu retouches le tactile, je te coupe les doigts. C'est vrai que tu touches tactile. Si tu fais ça. Je t'aime, Sandrine. Elle a vu le regard, Sandrine. Il a eu peur. Elle a dû se dire là, c'est bon, je dis plus rien. Sandrine, regarde au braise. Et 100 grammes pour le sucre caramélisé. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Ouais, oh, hey, arrête de parler des gens comme ça. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? En plus, je dis comme ça aussi à mes collègues. T'es à 100 grammes, là? Oui, mais on n'est pas tes collègues, nous. Moi, si, c'est ma collègue. Oh putain, je serais avec toi, je veux dire, tu serais déjà la machine avocat. Et ta sœur? On va les refiler et tout. Et ta sœur, elle sera dans... Ouais, pour les courses de Noël. Et ta sœur, elle sera dans le truc de quoi? Un guigui dans un filet. Par contre, je vais être obligé de changer ton truc de casserole. Mon truc de place. Mais non, t'as pas besoin de changer de place, tu le mets à côté et puis tu le remettras. Non, chaud. Parce que l'autre il est déjà bien chaud. Et bien chaud. T'as même pas écouté ce que je t'ai dit. J'ai dit, tu la mets à côté, le temps que tu fasses ton caramel, tu remettras ma marmite après. C'est pas grave. Non, mais tu peux m'allumer là-bas en attendant. Comme ça continue. Comme ça continue le chauffer. Comme ça continue le truc. Wesh à Wale. Balé. Balé. Balé, Walele. Balé. On fera pas le cuisinier adoré. Adoré. C'est un grand mot. Ça, c'est quand le chef il met son tablier. Oui, c'est plus pareil là, hein. Ah là, tu souignes moi là, hein. Toujours un petit kiki, hein, ou un gros kiki, hein. Hein, tu souignes moi là, hein. Hein, tu souignes moi là, hein. Vous inquiétez pas, c'est le Red Bull. Bon bah oui, je crois qu'il va falloir que t'arrêtes un peu parce que... Là, mais je m'en fous. Je bois ce que je veux. Ouais, quand tu vas te retrouver aux urgences pour autre chose, tu vas voir. Eh ben, on viendra pas pleurer, moi. Sachant que tu l'as déjà fait. De quoi? T'as retrouvé aux urgences pour douleur, tu sais. Bah, justement, j'ai faim. Alors, moi, je vous crève pas le cul, il y a rien à voir. Oh, l'autre? Bah, non, surtout la dernière fois, ils t'ont mis un Kremlin bicep. Ils devraient mettre plus près. Plus loin. Réduit, ça te disait. À la boute. Eh ben, t'en auras pas à l'hôpital. Je donnerai des sous à l'infirmière, dire. Ouais, sûrement, ouais. Tu as un mouton, tu as un cœur, c'est du rythme, le mouton, dis-moi. Non, parce que je ne sais pas comment je vais payer l'infirmière qui va venir te soigner. Te soigner, ce sera ce que tu. Comme ça, elle sera. Non, moi, je veux une infirmière à des gros nibards. Tout plate. Ah non, moi, j'ai des gros nichons. Et puis, je peux dire que. Gros nichons, petit cul. Elle va se faire entendre, hein. Petit cul. Gros nichons, petit cul. Je croyais que t'aimais bien les culs bien posant quand même. Ah, tous ans, les culs, c'est un cul, tout le monde, tout est pas. Ah non, tout ça même cul. Là, ce petit cul, y'a rien, non. Ben, tu vois, ça peut être ton petit, un petit cul aussi, non. Non, moi, c'est un gros. Regarde comment il est gros, maintenant. Mais je vais pas dire, oui, t'as vu ton gros cul. Je dis, non, ton petit cul, c'est plus. Tu peux dire, moi, je dis bien grosse feignasse. Ben non, ça se fait pas, ça se dit pas. Tu vois, c'est plus. Petit cul, c'est plus mignon, c'est plus logique, c'est plus. Ne me fais pas tromper, j'ai pas un petit cul, j'ai un gros cul. Enfin, gros. Bah, non, pas comme ça, mais.
Bah, que quelqu'un te dise gros cul, oui, tu vas mal le prendre, mais. Ah, bah, moi, on me dit gros cul, c'est ceux qui branlent pas. Bah, voilà, moi, je vais pas dire, ouais, t'as vu, gros cul. T'as dit quoi, là, gros cul? Grosse lac. Tandrine, gros cul. Grosse lac. T'as dit oui, en plus. Bon. Après, ça dépend qui c'est qui me dit. Si c'est une amie que je connais depuis longtemps, je sais que c'est pour blaguer. Bah, elle a intérêt, moi, je. Bah, ma femme me dit. C'est pas pour blaguer, Cécile. Ah bon? Tiens, regarde. Intermarché, oh. C'est la révolution. Donc, nous disons... Tu peux pas mettre le son, parce que c'est bon. Bon, oui, d'abord. Mais non, je l'explique à son nom, parce que je peux dire. Sucre, farine. Les œufs sont là. Mais t'as plus rien. Donc... Mais t'as tout bête. Oui. T'as pas mangé les raisins. T'as pas mangé les raisins? C'est un parmesan qui s'était pris. T'es pris un peu en bas. T'as pas aimé? Il s'en est pris un hier. Oui. Ouais, super bon. Oui, il a bien aimé au bout de temps. Tu l'avais pris au papillon? Ouais. Bah là, c'est vrai, il n'a pas aimé les raisons. Pourquoi j'allais. En plus, j'allais séparer les blancs et les. Mais je veux bien que tu fasses des trucs, mais t'évites de faire tomber de l'œuf par terre. Mais t'as sûr, j'ai rien fait. Si, je viens de le voir. C'est agaçant quand t'arrives pas à rôter. Et bah, rote! J'arrive pas. Rote, fais ton rototo! Il est bloqué là, mon. Des bébés? Le centre, c'est là. Bois du Red Bull, tu vois, si tu vas pas roter. Ah non, tu vas me faire crever, toi, avec le Red Bull. Je fais la j'ai de l'attention, il va me faire boire le truc à Torino. Ouais. Base de Torino, là, tu peux m'emmener direct. Hein. Martine, tu peux venir? Ça y est, j'ai tué Cécile. C'est bien dans cette vidéo. Mais les gens, ils s'en foutent, ils rigolent, je rigole. C'est. Bah, précise alors tu rigoles parce qu'il y en a. Mais ils sont. Je sais qu'il y en a la moitié qui sont blondes, mais quand même. Non, mais les abonnés, ils vont voir ça, ils vont dire oh là là, il veut tuer sa femme, vite. Tu sais, il y en a qui sont tellement. Appelez la police. La police. Donc c'est pour ça, maintenant, on fait vachement attention à ce qu'on dit. Hein. Mais les gens, ils sont pas cons, ils nous connaissent, ça serait bien que je rigole. Ça bien que je rigole. Oui, ceux qui nous connaissent depuis, qui nous suivent depuis le début. 1, 2, 3, 4. Mais t'en as un qui arrive comme ça. Et... Oh, le mec, il veut tuer sa femme. Oui, t'appelles sur la police dans 5 minutes qui arrive. Après, oh, il traite mal ses chiens, il traite sa femme. Nanani, 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 à peine elle a mis la vidéo, ça m'est après. Madame, vous allez bien. Oh, là. Et moi, je leur sors Intermarché. Comme les hommes de genre. Bah non, si j'ai rien fait pour que j'y aille, on me bat les couilles, moi. Ah, ça dépend de ce que je dis, moi. Je m'en bats les cahouettes. Je m'en bats les cahouettes. Bon, faut que t'as bien. Ça, c'est des vraies pommes de terre, regarde. La peau, elle. Oui, bah c'est bien. Ça, c'est bien. On s'en fout de ta vie. Pommes de terre de jardin. Tout ça, je les ai pris. Tais-toi, toi. J'ai rien dit, je suis en train de lire. N'arrête pas de t'entendre depuis tout à l'heure. Pourquoi il y a des légumes dans le. Des légumes. Non, c'est pas ça. Merde. Ça y est, il a encore tourné dans la mauvaise recette. Non, parce qu'il y a des légumes. Perdre du ventre en une nuit, on d'accord. S'en fout, ça. D'accord, il y a les ingrédients. Donc, le farine, c'est fait. Le sucre, c'est fait. Les trois, au lieu de mettre trois œufs, j'ai mis quatre œufs, les enfants. Le sachet de. T'as pas trop chaud? Si. Moi. Ah, parce que j'ai mis chaud. Je transpire. Oh mon dieu. Ah, je transpire. En plus, c'est de la farine. En plus. allez, on va faire le bordel. Ouais, tiens. Bébé, Blanco, c'est quand on fait le gâteau. Mais là, il est en train de dormir. Et qu'il voit la farine, il met sa patte. Oh, mais lui, il adore! L'autre fois, il était mort de rire! Il avait pas tout blanc! Il était en train de manger la farine! Oh, mais ouais, il mange la farine! Il mangeait la farine, il avait le nez tout blanc! Ah, ah pour ce quoi, il est fou! Et les pattes, toutes blanches! Je dis, ça y est, il est déguisé pour Noël! Mais j'étais mort de rire! J'aurais dû prendre une photo, t'aurais vu! Le nez tout blanc et les pattes toutes blanches! Bah, surtout un chat noir! Il adore les trucs de gâteau quand tu fais les gâteaux! Surtout un chat noir, ça. C'est l'appareil! Il un chat noir, c'est un chat noir! Bon, je vais. Caramel. Je vais faire le caramel. Ah oui, il est. Bon, on va aller voir l'autre, mais bon, pas grave. Non, on va pas là. Non, on ne doit pas. Tu te vois si tu verrais là. Pourquoi tu rougis?
Pourquoi tu frappes? Aïe, 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 elle me frappe. Oh. Ouais, j'ai trop chaud. Donc nous allons... Tout à l'heure j'avais froid et là j'ai trop chaud. Nous allons cuire le bidule chouette à la marche arrière. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Je le mets comme ça. C'est comme il y a la miss. Mais non, on ne voit pas. Ah, pleure pas. Bah, la meuf a pleuré. La meuf. Oh, la meuf. Par contre, le plat, il est où? Il est pas en dessous, là. Ah. Ouh, plat, plat, t'es où? Oui, il est là. Il y en a deux, il y a celui-là. Et il y a... Non, celui-là, il est bien celui-là. Il y a l'autre avec la fermeture. Non, celui-là, j'aime bien celui-là. On l'a jamais utilisé. C'est mon copain, lui. C'est mon copain. La nina, nina, nina. Ils sont pas passés, les éboueurs. Je crois pas. Bah, hier, ils sont passés tard. Non, pas hier. Avant-hier. Ah, hier, ils sont passés pour les grosses poubelles. Sans que j'ai dû mettre un petit peu trop de machin. Et bien, alors bien. Donc il faut beurrer le plat. Vous m'entendez? Dites oui. Ouais. On t'entend. Ok, ça marche. Oui, tu peux pas répéter la question? J'ai dit je mettais du beurre. Ok. Non, donc nous beurrâmes le beurre, bien sûr avec du beurre. Ah, donc dans la phrase, il n'y a que ça, beurre. Tout en même temps, nous faisons attention de ne pas cramer le schmilblick. Il n'y a pas du papier sulfurisé. Je sais pas moi. Non, j'en mets pas. Ah bon. Bah non, sur toutes les recettes que j'ai vues, ils ont pas mis de papier sulfurisé. Pour une fois qu'on en a. Fais gaffe ton. Je regarde. Il est encore tout blanc. Comme épaisse. Ça baisse un peu. Ça se baisse pas. Chut. C'est moi la loi. Arrête de crier. La loi, c'est moi. Il en met du beurre, je trouve. Elle doit sentir bien la connerie. Non, 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 s'il te plaît. De quoi? J'ai rien fait. Oh, mais je la vois, la grosse, la connerie. Rien? Tu veux pas aller là-bas? C'est bien, vous êtes toi. Bon, ça cuit, ça. Appelle ton mec, s'il te plaît. Mais j'avais dit, je travaille. Je beurre. Ah, oh, merde, j'ai une place. Hein. Mais t'as fini tes conneries, là, un peu. Bon. Quoi? Oh là là, j'aime pas quand il crie comme ça. Je me suis quelque part. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, pitié au secours. Mais non, t'inquiète pas, je vais pas te barbouiller. La petite mairie, des fois. Ah bon? Aïe. Aïe. Ah merde, je me suis trompé. Ah, il est bientôt prêt. Je sais pas quand, mais il est bientôt prêt. Il commence à avoir une belle structure. Comment on dit structure?
Oh, t'es aussi con que moi, quoi. On dit comment, une belle structure? Oui. Ça sent. Quand ça sent le caramel, on est sûr que tout le monde n'était pas content. J'ai pas envie de faire trop cramé. Après, après, il va être noir comme mon chat. On dirait le truc de. Tu sais, dans le film Stargate. Allez. Donc, ça y est, le caramel, il est prêt. Donc, on va le mettre dans le bordel. On met vite fait pour éviter que, bien sûr. Pour bien sûr, avec le bubber, hop. Donc faites attention de ne pas vous cramer. J'ai failli faire tomber le bordel. T'imagines, je me serais cramé la main. Non, remets par là. Il coule le caramel là-bas. Si je me serais cramé la main. Stop. Avec le caramel. Là, j'irais directement à l'hôpital. Ça coule. Pourquoi ça coule? Boucher les trous. Comme les chiottes. Boucher les chiottes. Non mais bouche le truc là, t'as du caramel ou il n'y en a pas? Il y a du caramel ou il n'y en a pas, c'est pas ça que je veux dire. Il y a des plats où il n'y a pas de caramel, là il y a un truc où il n'y a pas de caramel, des endroits. Non mais de l'eau, tout de suite, sinon ça va coller tout de suite. J'allume le four. J'ai pas allumé comme un con. Ah bah oui, pour baisser ça. Par contre, je mets la plaque en dessous, on sait jamais. On sait jamais. C'est moi si ça dégouline, au moins ça tombera dans le plaque. Oh, mamie ! Quand vous dites c'est chaud les copains. Sandrine, tu sais quoi faire, hein? De quoi? Ben. C'est celui portugais. Ta 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 ta. Ouais. Ça fait. Elle avait acheté la nappe. Ça fait combien de temps qu'elle y a été le droit au portugais? La première fois qu'elle y a été. C'était avant que je travaille avec toi, Sandrine. Ouais, bien avant. Ça fait. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble, Laura et David? Ça fait il y a 10 ans, presque. Hein? 10 ans? Eh ben ouais, bah, c'est la première année qu'elle a été. Donc, si vous vous rendez compte, ça fait presque plus de 10 ans qu'on les a et commence juste à s'abîmer. On a deux. Elle m'avait acheté ça, elle m'avait acheté deux nappes aussi. Ouais, une nappe portugaise et. Deux nappes portugaises. On la met de temps en temps. Et je sais plus. On le met quoi, on la met avec... Ah, parce qu'elle m'avait ramené. Le truc. La mer et la lune. Ouais. La lune, elle est où? La lune? Elle est là. Elle est dehors, la lune. Elle vient du Portugal. Donc, du fait que moi, j'ai pas de tranche de bordel, donc je vais mettre ça là. Je vais récupérer, bien sûr, le jus. Bien sûr, hein. Tant qu'à faire. Bon, déjà mon caramel est épais, c'est le principal. Cuisine les patates là. Bah oui, mais ils sont pas cuits encore. C'est forever ça. J'aime pas trop comme série. J'accroche pas. J'ai regardé le fouet, j'ai. Donc, vu du fait, comme j'ai pas beaucoup d'ananas, parce que comme je m'en étais déjà pris. Oui, je m'en étais déjà pris, d'accord. Je sais pas si c'est français. Non. Je m'en étais. Mais bon, vous commencez tous à me connaître. Hein, vous savez que j'ai des phrases un peu bizarroïdes. C'est normal, je viens d'une autre planète, donc c'est normal.
Hein, Sandrine ? Ouais. La meuf, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc, du coup, moi, je vais les faire comme ça. Je vais les herbes barbabigénées un petit peu partout. Hein. Vous voyez pas, les copains ? Pourquoi vous êtes de travers ? Voilà. Donc, j'ai pris le nouveau truc hein, que j'ai offert à Cécile. Comme Cécile, là, c'est pas, ça n'est pas encore servi. Du coup, moi, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. Bah, il est pas mal, quand même. Hein. L'anneau, il est... Ouh. Il est clair, hein. Moi, je te le dis. Hein. Moi, je te le dis, mon copain, il est clair. Hein. Donc, je vais foutre des petits morceaux d'ananas comme ça. On s'en fout. Hein. C'était laquelle, ta recette ? On s'en revient. Je l'ai plus sur mon téléphone. Mais tu fais quoi, là ? Bah, je sais pas, elle est partie, alors j'ai même pas touché. Bah, c'est ananas renversé. Façon facile. Tu l'avais trouvé sur Google ? Je crois, oui. Je sais plus. Gâteau à l'ananas, c'est pas ça ? Si, ça doit être ça. C'est avec 150 grammes de farine, du sucre 110, mais j'en ai mis 150. C'était quoi, recette facile ? Oui, je crois. Je crois, c'était ça. J'en ai tellement, là. Donc on va faire comme ça pour ce soir. De toute façon, ça reste quand même un gâteau à l'ananas. Hein. Voilà. Comme ça, au moins, c'est pas perdu. Donc je vais faire la mixture. Quel site ? Je sais plus moi. Je sais pas, moi je suivais les trucs hein. Mais c'est enlevé de mon téléphone. Bon bah écoute, j'en sais rien. Bah, heureusement j'ai tout dans la tête hein. Ah bon bah ça va. Ah oui. Tu te rappelles le temps ? De cuisson ? Le temps non. T'as vu, tu peux même le faire en cake si tu veux, dans le moule à cake. Je savais même pas ça. Bon, du coup, tu restes là, non ? Oui, c'est garé. On entend le caramel, t'as vu ? Qui pète, écoute. Le caramel qui pète ! Oui, tu l'entends, il fait. Nous couper ton caramel ! Parce qu'il va se mettre là. Bah oui. J'ai rien dit. Ça te dérange pas, hein? J'ai rien dit. Fais gaffe, hein. Sandrine, elle se demande ce que tu fais surtout. Tu es marrant, hein? Donc, voilà. Et lui, il est debout là. Il y en a deux morceaux qui sont debout. Oui, mais parce qu'il veut pas. Il a peur de se brûler le cucu. C'est pour ça. Bon, un saladier, les copains. Oh, la raclette, ça va durer 3 heures. Mais on s'en fout, on est là. On est là pour vous, mes amis. On est là pour vous. Oui, pour vous. Tu commences à avoir chaud. Ah, la meuf, elle est... Donc, bah, je vais vous remonter un petit peu. Hein ? Un petit peu chair. Chair fraîche. Ah, faut que je fasse attention de ne pas toucher un bouton, sinon ça va m'éteindre le bordel. Les œufs. Non, le sucre. Non, la farine. Non, oh les œufs. Oh là 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 là. Mais moi, je sais plus, moi. Bah, je crois que tu la savais. Un. Oui. Oui, ah, un peu d'eau. Pourquoi un peu d'eau ? Un peu d'eau pour la pâte. Non, je voulais. Je vais le dire, hein. Tu m'embêtes. Diablesse, Sandrine m'embête. Marabla. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait là ? Votre la retire.
Oui, bon, on s'en fout de ta vie. Ah oui, il faut du beurre aussi. Bah, tu l'as sorti tout à l'heure, bah, tu l'as rangé le beurre. Ah oui, faut mettre du beurre. Faut mettre un peu de beurre dans le bûcher à la marche arrière. Oui, attends mon copain. Attends-moi. Attends, chef. J'arrive, chef. Ah, les vidéos, ça va vite. Ah, t'as même pas le temps de casser les œufs, ils passent déjà au truc, oui. Donc, bien sûr, je reprends le petit morceau que je me suis aiguisé. Mon couteau magique. Gâteau à la nana scintillée. Tiens. Je sais pas si c'est ça. Je fais au pif hein, le beurre. Donc on passe un petit coup au four micro-ondes. 60 grammes de beurre. Bah j'ai fait au pif, hein. Je pense que ça devait être ça. Donc pas très longtemps. Essayez de ne pas le faire trop liquide le beurre. 30 minutes de cuisson. Tu te rappelleras ça, même 30 minutes de cuisson. De quoi? Pour le gâteau à la fin. 30 minutes de cuisson. 30 minutes? Pendant ce temps-là, je vais préparer mon fouet ou ma vie du chouette à la marche arrière. Marqué, tamiser la farine et la levure dans un bol. Ajouter le reste de sucre, les œufs, la pincée de sel, le rhum, mélanger bien pour que la tension de pastis homogène. Donc on va commencer. J'espère que c'est ça. Quoi? C'est marqué la farine et la levure dans un bol. Hein? Oui. Oui, mais il y en a qui la farine et ils la mettent en dernier. Ah d'accord. Toi, ils vont pas tous pareil enfin. Sur toutes les vidéos que tu regardes, ils disent pas tous. Non, bah non, c'est pas pareil. Celui-là, c'est le gâteau à l'ananas entier. Mais moi, c'est pas un gâteau à l'ananas entier que je fais. Non, mais pour ben, le beurre. Pareil. Oui, le beurre, pas pour moi. Pas pour moi. C'est la même base. Calaille. Là, j'en étais sûr. Parce que tu l'as mis trop fort. Je peux pas mettre plus moins fort. C'est la même base de toute façon, gâteau à la sortie, ils font pareil que nous, sauf que. Carrément, c'est pareil. Poids d'œuf. C'est tellement acide les trucs. Carrément, poids d'œuf. Il y a les bébés, c'est quoi, ils vont leur donner du citron. T'as pas les poids d'estomac. Genre, tout ça, je t'entends pas parce que moi, j'ai un truc mangeant. Moi, j'adore ça. Hein? Les trucs, les bonbons acidulés comme ça. Hein? Allô, allô? Allô? Quoi? Donc nous remoîmes. Non, c'est pas français. Hein. Nous remoîmes. Nous remoîmes les œufs avec le sucre. Où ça passe après un petit peu les blanchir. Donc il faut les battre. Ah, j'en ai pensé le feuille. Un bout de nos ustensiles. Bah, t'as la tablette, c'est pas la mienne. C'est du gâteau à l'ananas dessus. Bon, il y en a qui mettent déjà la farine bien avant, mais comme je dis, moi je vais pas faire comme tout le monde.
Parce que je ne suis pas tout le monde. C'est ça, là. On m'achète. C'est Tan. C'est mon chef qui me l'a donné. Chef Agio. C'est Monsieur Tan, attention. C'est mon chef. Lui, on va dire Monsieur Tan, c'est pour les gens qui regardent les vidéos. Merci Monsieur Tan pour les Lay's bouffe fromage 3D. Ça va foutu. C'est trop bon. Donc j'espère que c'est blanchi. C'est blanchi. Parce que la machine, c'est pas bon. Je vais mettre. Bon, moi j'ai pas de gousse de vanillé parce que moi j'ai pas les. Une fois j'ai foutu la main. J'ai pas les moyens d'avoir des trucs de vanille moi. Donc je mets des sachets. Bon, il y en a beaucoup qui prennent du sucre vanillé en sachet. Hein. Pas fort. Hein. Non, parce que les trucs de gousse de vanille c'est pas donné. Ouais, hein. Je sais, c'est pas donné. Ça coûte un bras. Hein. Non, mais ils les vendent par 3 maintenant. Enfin, ça coûte pas. Ça va pas coûter 50 euros non plus le bordel, mais. Non. Je crois que ça aurait coûté vers les 15 ou 20 euros. Ah non! Si, j'ai vu ce prix-là, je sais plus où. C'était 15 à 20 euros le bordel, la vanille. Les tiges de vanille. Les gousses. Non, moi j'appelle ça les tiges. Tu coupes en deux et t'enlèves. Ouais, c'est une gousse de vanille. Donc là j'ai mis ma levure. Et par contre, j'ai regardé c'était combien de sachets. Ma levure. Ah, comment il va devenir comme ça, ce gâteau. Ah, oh, ça serait bien. La branlette espagnole, ouais. Eh, nous les hommes, on connaît ça. Vous aussi, les femmes, vous connaissez, hein. Les hommes, non. Facile. Oh, ouais, on raconte de tout sur la vidéo. Du sexe et tout. Ouais, censuré, la truc. Bip. Bip. Censuré. Bip. Ah, c'est chaud. Bon, allez, les copains, on va être sérieux. Nous mettons le beurre. Voilà. Je voulais le faire un peu moins fondu. Je voulais faire comme le monsieur, il fait. Cela. Oh, t'as entendu? Non, attends, regarde. Un petit peu de. Ah, qui me veut attaquer par les rébus. Comme j'ai pas de rhum, nous allons mettre du whisky. De la Belaise. En tout cas, c'était pas trop mal, un petit peu de Belaise dans les crêpes. Franchement, c'était bon. Ah, t'as aimé Sandrine? Oui. Même Sandrine, vous voyez, elle qui est habituée à l'alcool, elle a très bien aimé. Merci. Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis alcoolique anonyme. Je suis sevré depuis 5 ans. Je suis sevré depuis 5 ans, je ne bois plus. Pourquoi on a fait notre vidéo de présentation? Allez, nos abonnés, ils ont aimé. Et moi, j'en pouvais plus, je te jure. Il fait bonjour, je m'appelle Guillaume. Je dis, ah putain, ça y est. Enfin, sortie de conneries là. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je suis alcoolique anonyme, je suis sevré depuis 5 ans. Oh, comment on a rigolé? Eh ouais, il faut rigoler. Hein. En plus, c'est vrai que ça se passe comme ça, hein, où tu viens de te présenter. Ouais, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les alcooliques, hein, il y a pour la cigarette aussi, je crois. Non, c'est si con. Eh ben, c'est les cigarettes. Bah, tu vas dire tout de suite que je suis toxico. Je m'appelle Cécile. J'étais quoi, comment tu dis? Ancienne toxicomane. Je suis ancienne toxicomane. Arrête. Depuis que j'ai découvert la cigarette électronique, je ne suis plus toxicomane. Je suis spectromane.
Regardez bien le geste que je fais. C'est comme ça qu'on fouette. Il y a quelque chose qui manque là. Et ta sœur, pas quelque chose qui manque? Si. Donc voilà, je l'ai bien. Je l'ai bien. Nous allons mettre de la crème du whisky, mes copains. Non, plus mes copines. Parce tu vas où avec le micro? Ah! Oh, le four! Intermarché! J'allais faire une connerie. Vas-y, parle. Parle à maman. Je suis parti avec le truc. Ah, moi, je partais avec tout, moi. Le micro, l'appareil, je partais même avec Sandrine. En même temps, passage, je prenais Cécile aussi. Sandrine, tu peux rien aimer, toi, Nita. Comment ça, je sais pas, avec ça me rend ton cœur. Un HF. Ouais, on s'en fout. Yep. Ah, mais la peau a commencé déjà à s'enlever, ça se trouve. Olèche, calaille. C'est bon. Je prends une passoire, mais il y en a dedans. Oh, les copains, comment ça sent bon? Quoi? J'ai pas toussé. Et nous allons mettre de la farine. Mais moi, je mets pas en tout entier, je mets un petit peu. Pour éviter les... Allez, je vous écoute. C'est pour éviter quoi? Les mots. Ouais. T'es nul, toi. Un gâteau, mais pas de lait, par contre. Ouais, t'es en train de me faire douter, là. Non, il n'y a pas de lait. Ouais, un gâteau, tu mets pas de lait. Si, il y a certains gâteaux, tu mets du lait. Oui, mais ça le sait, mais il y en a que je mets là, tu mets pas. Non, bah non, ça sert à rien. Là, c'est qu'une pâte. Pour l'instant, nous n'avons pas de grumelots. Des grumelots. Nous n'avons pas des gros lots. Les gros, c'est celui du Père Noël. Bah, les gros lots du Père Noël. Et ceux, il est confiné. Hey, 53 minutes pour faire un gâteau. Ouais, je suis le nouveau champion du monde. C'est des bêtises. Quand je fais que des bêtises quand t'es pas là. Je ne sais pas pourquoi je fais des bêtises. Ça vient tout naturellement. Voilà, Sandrine, on n'entend plus la vieille là. Elle a peur que je la marave, comme elle est à côté de moi. Hein, Sandrine? Tu veux dire quelque chose? Ça va aller. Oh. Parle à maman. Pourquoi tu fais... Tu gagnes, moi, je suis bien calé. Oui, maintenant, t'as fait cuire les patates à bouffer tout le lait, là. Il ne restait plus grand-chose, genre. J'en ai donné la moitié, quand même. Non, mais t'en avais déjà mangé oui, quand je les avais ramenés. Il y a 3 milliards d'années. Non, il fait chaud, les copains, là. Non, mais tu as attrapé froid, Sandrine. Bah, moi aussi. Hein. Mais toi, c'est pas grave. Comment il est, c'est un enfoiré. Non, vas-y, ferme, toi, tu as chopé la crêpe, Sandrine. Ouais, je suis déjà malade. Ouais. Après, tu as attrapé Conavidus, après, c'est très loin. Ouais. C'est très loin. Coucou, Sandrine. En rapport. T'es déjà malade. Oh, en plus je t'ai fait la bite, t'es malade, et maintenant tu me le dis. Sale bête.
malade, toi. Si je suis malade à cause de toi, je te marre. Je t'attends. Derrière le carreau, je t'attends. Oh le mec, vous vous rendez compte, il a fait 4 heures, il y a tout. Qui t'a pas de foot. Je peux mettre 5 heures même. Dis-le, ça te gêne. Mais tu t'imposes un peu beaucoup, je trouve. Et ta soeur. Eh les copains, on sent bien le whisky, crème du whisky. J'ai fait aucun grumelot, tu te rends compte? Comment je supporte comme le roquefort? Non, j'ai pas fait. Non, mais t'as fait. Non. Ça, c'est un cri de. Ah, bon. Qu'est-ce qu'il est chiant, c'est pas possible de voir ça. Voilà, une belle petite pâte bien onctueuse, vous voyez. Vous avez vu qu'on s'appelait avec le bec verseur. Ah, super, j'ai fait un boomerang. T'as fait un boomerang. Oui, regarde, je vais te montrer. Elle est pas mal, hein, ma pâte. Bon, t'enregistres, là. Qui? Mon téléphone. Ah, pardon, je l'ai dit à l'enregistrer. Mon bébé, viens mettre ta pâte. Je mettre ta pâte en bas, c'est enregistré, enregistré, enregistré. Mon cœur, viens goûter le gâteau à papa. Ça vous regarde. Ouais, je vais te marrer. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, t'as un TikTok. Ça, c'est un boomerang, mais après, je vais le faire en TikTok. Je vais envoyer à Geoffrey, c'est marrant. Sandrine, elle a enlevé ma culotte. Parce que je dis, Guigui, il est en train de faire un gâteau d'ananas, mais moi et Sandrine, on regarde. Mais c'est pas possible ça. Arrête, je te dis, arrête la tournée. Il a un gros souci. Hein. Il a un gros souci le mec. Hein. Bon, mais on peut déjà tourner. Tourner. Ouais, y'a tout, ouais, tourner. Et t'as bu? Bah rien, du Red Bull. Et dedans, dans la papate, vu qu'il n'y a pas beaucoup de... Oh nan, quoi? Ah, bouge pas, c'est bon là. Parle en même temps. Bon, je vais te marabe, hein. Fais gaffe, hein, je vais te marabe, moi, hein. Ah ben, mais si tu pouvais parler français, ça serait bien. Et tu tues français. Je ne vais pas utiliser, je suis français, je l'assume. Oui, mais on ne m'entend pas. Ouais, c'est normal, je... C'est pas mal. C'est pas mal avec le truc du custo. Je vais. Oh, j'ai chaud, les copains. Je vais mourir. Je vais mettre du crétin. Pas du crétin, hein, du crétin. Donc, je sais pas combien mettre de, du crétin. Je peux envoyer à Geoffrey. À Laura, je peux mettre combien de crétin? Je vais un message. Je sais pas si elles vont passer un message de vidéo à Laura. J'aurais voulu envoyer à Laurent. Intermarché. Je laisse un message, ça va passer par. C'est la révolution. Bon, bien sûr, on va essayer de ne pas mettre les bordels. Je mets beaucoup de raisins ou pas hein? Ah, ça, j'en sais rien. Oh, bah, sérieux, ça, rien. C'est toi qui vois ça. C'est toi qui vois ça. J'ai envie un petit cœur. Ah non, pas un petit cœur. Bah, ça va lui faire changer ses idées parce qu'elle arrête pas là avec son truc. Oh, qu'est-ce qu'elle a encore, elle? Je vais faire une cam, je vais en mettre une. Ça va pas... Ah non, oh merde, il y a la vidéo. Elle fait un caca nerveux, là. C'est une abonnée en plus. Non, mais je rigole, hein. Hey, j'ai pris les banderies, là. MDR Guigui avec sa moustache. Bien sûr, nous allons les laver, bien sûr, hein, parce que c'est ce qui a touché. Touché quoi?
Je n'ai même pas été à l'évier. L'évier, je l'évite là en ce moment. Il me prend des raisins. Je lave mon raisin. Ah, les raisins, j'ai pas. Ah, j'ai pas encore mangé. Je les ai achetés samedi, mon raisin, j'ai pas acheté. Mangé. Ah oui, après, t'as là-bas au magasin, il y en a plein qui touchent. T'as intérêt à la main. Mais c'est pas du mal. Ah, si, c'est vrai, c'est qu'on a tout. C'est samedi à Monoprix. À Monoprix. Il est sans grain, sans pépins ou pas? Vous savez que le raisin existe aussi sans pépins? Ça, non, ça, il y a une abonnée que j'ai vue sur, qui a acheté du pur raisin sans pépins. Donc, alors, il est en forme comme ça, par contre, il est en forme comme ça. Pas rond comme ça, mais un peu ovale. Long. Ovale. Ovale. Non, c'est même pas ovale. Ouais. Tu vois les tomates qui sont longues, là, comment on appelle ça, les tomates allongées, voilà. Merci Sandrine. Ah, et ben, ça fait un peu comme ça, mais en moins grand. Excusez-moi, je vous ai défait. Oh, une heure pour faire un gâteau, les copains. Ouais, tu bats là, tu bats ton record, toi. Ouais. C'est plus une recette, une vidéo de conneries que d'une recette de gâteau. Mais on s'en fout. C'est une recette. Ah non, il est pépin, celui-là. Donc, je rajoute dans mon plat, je vais rajouter du raisin. De toute façon, ça doit être bon, les tartes. Du là, raisin. J'ai une recette de tarte au raisin. Bah oui, c'est pour ça que je vais faire. Je rajoute du raisin, hein, bien sûr. Et on s'est acheté des gâteaux à la boulangerie là-haut, à rue de Paris, à Joinville. Je suis pris un chou samedi. Un chou à la crème. Chou. Avec des framboises. Putain, c'est une tuerie le truc. Oh, c'est une tuerie. La crème, elle a la vanille. Et en fait, tes quiches. Je sais pas, je les ai pas mangées. Ah, t'as pas mangé encore. Non. J'ai pris des quiches. Petite quiche là, c'est pour le repas le midi. J'en ai pris. Il a pris au. J'ai pris chorizo, poivron, poulet curry. Poulet curry, ouais. Et l'autre, c'est au fromage. Fromage. Il y a chèvre, il y a brie, puis je sais plus quoi dedans. Ah, oh, chèvre. Ah non, t'as pris aussi tomate. Non, t'as pas pris la tomate. C'est tomate chorizo. Tomate moutarde. Mais non. Ah, t'as pas pris celle-là alors? Non. T'as pris chorizo poivron, ouais, celle-là, je sais pas. Ça doit être bonne, celle-là. Donc, bien sûr, je mets dedans. Chorizo poivron. Que je vais remuer. Je sais pas, je l'ai pas goûté encore. Voilà. Ça sera mis dans les records du monde. Une heure pour faire un gâteau. On s'en fout, c'est ça le naturisme. C'est Intermarché, c'est la révolution. Bon, j'essaie d'en mettre un petit peu plus, pas trop chargé non plus. Parce que après, ça va charger. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je voulais dire. J'arrive pas à faire comme toi. Ça, c'est sur Messenger. Oui, mais j'arrive pas. Tu prends quelque chose sur Messenger et tu appuies sur les effets qui sont en bas. Tu proposes boomerang ou autre chose. Et boomerang, c'est ça, ça fait répéter les trucs. Déjà, la petite cloche commence à peu près maintenant à connaître. Au bout de 3 ans. J'en ferai. Je vais même pas envoyer à Geoffreuse, mais direct maintenant sur le truc pour lui envoyer. Après, je ferai un TikTok, mais pas tout de suite, je verrai demain. Bon, restons du raisin. Je vais les couper en deux, je vais mettre dans le fond de la casserole. C'est quoi? Le TikTok, c'est plus dur. Bon, bien sûr, une fois que ça sera cuit, je vous ferai une photo, je mettrai sur la communauté, sur Insta et Facebook. Hein? Pourtant, je bois du badois, ça devrait me faire rôtir. Ça fait pas rôtir. Que je t'ai pas fait gros comme le petit bébé. L'important, c'est le plus gazeux, il devrait me faire rôtir.
Tout ça au sale. Des fois, pour rien, il me fait roter. Et là, j'aime pas quand c'est coincé comme ça. Ça fait mal en plus. La vaisselle commence à remonter. Oui, c'est bien. Moi, je garde les vitres. Bon, le raisin, je mets un petit peu partout. C'est ça qu'on va se retourner. Logiquement, on devrait voir le raisin. C'est automatiquement avec le dans le four, bah le caramel, bah il va refroidir. J'aurai une part. Il va hein? J'aurai une part. Non. Je te la paye. T'as vu la vierge? Oui, 150 euros la part. Ah bah putain. T'as dit quoi? Que j'ai droit à une part. Ah, mais il veut pas, il m'a dit 150. Bah oui, il faut bien que je nourris mes champs. Ça coûte cher, tes champs. Eh, hey, c'est des chats de luxe, hein, si tu crois. Ils mangent le Félix, hein. Ah, bien sûr, tu auras droit. Hein, vous ne pouvez pas importer des vidéos avec des urgences. Ma gueule, ils ont changé, eux. Nouveau Facebook, tu peux pas mettre des vidéos qui étaient importées de moins d'une seconde. Sérieux? Bon bah voilà, bah j'espère que. Bien sûr. Bon. On sent bien la crème du whisky. Ça va au sale. Ça va au sale. Ça va à poubelle. Ça va au sale. T'as plus besoin de ça? Non, ça y est, j'ai tout fini. Ça non, du coup, ils m'en sont même pas servi. Ça, c'est quoi? Il y a eu ici, il y a du sucre. Intermarché. On lui, du coup, je m'en suis pas servi. Yes. Voilà, donc ma Maryse, c'est ma copine. Ouais, je vais la faire. Voilà mes jambes. C'est pour ça que je t'ai dit, là, je vais la faire. Et non, il me reste plus beaucoup sur ma grappe de raisin. Mais tu vas en avoir dans ton gâteau, pleure pas. C'est pas pareil. Mais ta soeur, c'est pas pareil. Elle est contente. La nana qui gueule. Aïe. Déjà qu'on essaie d'en trouver. Là, ça commence à diminuer le raisin. Tu trouves presque pur. C'est plus le raisin de serre, même. Ouais, je suis pas très raisin. Non. Ah, moi, j'adore ça. Raisin vert, en fait. Sous l'italien. L'italien. Mieux. Il s'est calmé. Intermarché, t'es la révolution. Arrête. Oh là là, comme ça. Tu as encore besoin du couteau ou pas là? Non, chérie, je dirais que j'aime tout mon cœur. Non, il va tomber la neige dehors. T'en as rien s'il neige dehors. Non, demain. Tout à l'heure, qu'elle va partir. Ouais. Et toi, je dis ça, tu sais, il neige. 3 mètres de neige. Tu vas m'en rouler. Au secours, aidez-moi. Ah, c'est lui. Bah. Lui, pas toi. Tu mettras sous ton attestation. Attention, ouais. Intempéries. Pour tes intempéries. Et ça, ils l'ont pas ajouté pour l'hiver. Ouais. Non, c'est Hammer. On mettra sur sa tombe. Ah non, c'est un peu pas rentré. Mourut dans un trou de neige. Oh. Mais c'est une moutarde. Oh là là. Tiens, regarde, Sandrine, dis-moi si c'est ça que tu prends d'habitude. J'ai acheté ça à Leclerc. Ah ouais. Est-ce que c'est celui-là ou c'est cristalline, toi? Ouais, bah c'est les mêmes, de toute façon, sauf que c'est la marque qui change. Voilà, c'est Volvic. C'est Volvic. Meilleur, celui-là. Les meilleurs, celui-là? Ouais, c'est meilleur. Parce qu'ils n'avaient pas cristalline. Non, ils n'avaient pas. Bah, ta bouche. Aussi, il est bon, mais... Ta bouche. Ah oui, cristalline, moi, tu m'avais fait goûter l'autre fois, il est bon. Ah ouais, tu te rappelles. Tu l'achètes où, toi? Et lui, je crois que je l'avais acheté chez le Romain. Qui, quoi? Ah. Oui? Il va faire sa fête. Du coup, ça y est, j'ai fini. Tu m'avais dit que t'avais acheté au casino, toi. Ah oui, aussi, oui. Ah oui, aussi. Tu te rappelles pas? Mais tais-toi un peu, là. Oh, j'ai la tête qui gratte, c'est normal. Regarde ça, mon téléphone. Bon, voilà, les copains, ça y est, j'ai fini. Ah là là. Putain, il faut mettre ça, le téléphone dans le salier. Voilà, j'ai fini mon gâteau. Donc maintenant, je vais le renverser. Et après, on va le manger. C'est combien de minutes au four? 30. C'est tout? Oh, tu m'as déjà dit ça tout à l'heure aussi. Il y a marqué 30, hein.
Après, c'est en fonction de ton gâteau, tu vas regarder avec le couteau. Je sais pas faire. Si, c'est que... Je sais pas faire, j'ai pas été à l'école. Bon, les copains, je vais essayer de vous remettre à l'endroit. Ou à l'envers, comme vous voulez. Eh, j'ai battu le record. 1h10 pour faire un gâteau. Ouais, c'est le champion du monde. Ah, c'est des boules. Ah, c'est des boules. On les entend quand ils arrivent. Et toi, tu te tais. On les entend quand ils arrivent. Faut que j'enlève mes... oui, mes papas. Pourquoi tu te caches derrière le carreau, la vieille, là? Il y a la deuxième vieille qui est là. Elle a 192 ans. Et toutes ses connotes. Toutes ses connotes. Et moi, j'en ai 54, j'en ai plus. C'est quoi, ça? Faut pas jeter, c'est mon jus d'ananas. Bah, le laisse pas là, parce que moi, tu vas voir. Bah oui, il s'est mis avec la vaisselle. Bon, voilà. Tu peux me donner les patates là-bas? Parce qu'elles rentrent dans l'eau là et... Qu'est-ce qu'il a fait encore? Pourquoi la peau s'est enlevée? Bah, c'est ça, c'est les vraies pommes de terre. Je sais pas s'ils sont vraiment cuits, hein. T'es sûr? T'es sûr? Bah attends, parce que si elles sont pas cuites, je peux pas les manger. Oh! Peut-être vous réveiller les filles là. Bah t'étais en train de faire ton truc en fait. Attention là! Tu m'as fait peur, hein! Bien sûr! Alors? T'as vu, c'est bien, regarde la paix, c'est trop la. Regarde! C'est la première fois que je vois ça! Ça s'est enlevé, ouais! Oh, bah bon, t'as même pas besoin de les éplucher, en fin de compte! T'as juste à tirer dessus, elle s'enlève le truc! Donc c'est bien, on a pris des pommes de terre que quand on les a fait cuire, la peau s'est enlevée toute seule. T'aurais pu les mettre. Toute seule, c'est bizarre, ça prend pas, je vois ça. Tu veux dire, on n'a même pas besoin de les éplucher, c'est direct. Bon bah voilà, ça y est, mon petit gâteau, il est au four, 180 degrés. Ah oui, je mets pas mon petit bonhomme. Ça c'est mon copain, ça c'est mon pote. 30 minutes. J'ai pas 30. Ah si, j'ai 30. Ah si, il y a 30. Je dis pas qu'il y a pas 30. Allez, je mets entre 35 et 40. C'est pas grave. Vous entendez? Tic tac tic tac tic tac. Décidément, aujourd'hui, regarde. Mais c'est rien, c'est de l'eau. Oui, chaude. Qui est brûlée? Non, c'est bon, tu peux plus m'amener encore. Entre la pompe de fond. Bon, voilà. Que je me suis allez, pris plus la allez, salut, au revoir. Allez, salut, au revoir, j'ai dit au revoir. Bon, ça y est, c'est bon, t'as fini. Bon, ça y est, on a terminé. J'ai gardé bien sûr le petit Juju, comme j'ai fait la dernière fois. Quand je l'ai retourné. Je l'ai babigeonné de... Babigeonné. Mais moi, j'ai envie de dire babigeonner. De bidou chouette à la marche arrière du jus d'ananas. Et c'était très bon, messieurs, dames. Donc voilà, c'était mon petit gâteau d'ananas. Et que bon, c'est même pas du revisitage. Hein. C'est... Voilà, quand il y avait du... Il y avait du raisin. Donc voilà, comme j'avais pas beaucoup de bététois. Comme j'avais pas beaucoup de... Bététois. Comme j'ai pas beaucoup d'ananas, donc j'ai rajouté du raisin. Par contre, je vais mettre un peu ça. Faut mettre là-bas. Oui, c'est pas ça que je voulais dire. T'as compris ce que t'as vu, t'as entendu? Au lieu de dire. Voilà, là encore moins. Hein. Au lieu de dire, il était temps que je mette au lavage, j'ai dit, il était temps que je mette au sale. Bah si, c'est ça. Pareil. Ouais. Victoire. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La what up, it's ok. La poupaquet. Pipaquet. Ah, je vais faire comme. Comment il s'appelle Comment il s'appelle Philippe Hercheves. Philippe Hercheves. Quand il dit allez, au revoir.
Youhou! Dans la gamme du chat. Ouais, il a pas se faire en cuisine. Quand il jette, je jette mon éponge. Pardon, Cédrine. Cédric. Moi, okay. Comment t'as appelé? Cédric. Cédrine, il a dit. Ok, Cédrine. Vas-y, bah, donne-moi ça, toi. Tu m'arrabes. Cédrine. Tu veux dire quelque chose pour la fin? Oh, elle m'a dit ta gueule. Est-ce que je m'arrabe Sandrine ou je ne m'arrabe pas? Putain. Bah, allez, mon loulou, on fait de gros gros bisous. Voilà, c'était une petite recette à la folie sur la chaîne des Bretons d'El. Foufou! Non, j'ai rien bu que du Red Bull, ne vous inquiétez alors, pas. Ils vont se demander. J'ai bu que du Red Bull et de la cristalline. Non, par contre, j'ai du rhum dedans, mais c'est pas grave. Donc, si vous aimez cette petite vidéo, ben, n'oubliez pas de liker, de partager, de sonner la petite cloche. Et quoi encore? S'abonner, commenter. S'abonner, commenter, louer, acheter. Si vous voulez m'acheter, bah, y a pas de problème. Quoi? Comment ça vous donne la télé? Qui? La télé? C'est quoi? Mais c'est normal, c'est le camion. Non, je sais pas. Ouais. C'est le camion. Bah allez, on vous fait des gros gros câlins, gros gros bisous. Et à demain, je sais pas si je vais la mettre là ce soir ou. C'est parce que j'ai posé la télécommande. Ou. Il est sérieux le bordel? Ou peut-être ce soir. Ouais, je vais peut-être vous la mettre ce soir, allez. Comme ça, ça vous fera. Comme je sais qu'il y en a beaucoup qui se couchent tard, hein, nos abonnés adorés. Et bah, comme ça, ils auront une petite. Pas une petite, une grande vidéo. J'ai vraiment fait fort hein, aujourd'hui. Hein, 1h17 de vidéo juste pour faire un gâteau. Il y en a qui aiment les vidéos. Pour faire un gâteau. T'as vu, j'ai fait. Je suis champion du monde. Hein. Il faut que je sois sur le livre de record. Presque 1h20 de pour faire un gâteau. Un gâteau qui normalement ça devrait être, se mettre en même pas encore 20-30 minutes pour tout casser. Hein. Mais on s'en fout d'abord. Voilà. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Allez, je vous fais des gros gros bisous, les loulous, et à la prochaine petite vidéo. Allez, on vous embrasse. Sandrine vous embrasse tous aussi. Elle vous fait un grand grand coucou. Elle vous aime. Et puis quoi encore hein? Allez, gros gros bisous, ciao.